Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce vendredi, en ce pont de l'Ascension. Donc, il y en a qui travaillent, d'autres qui flânent, qui se reposent. Je vous espère en vacances, dans un lieu agréable, que ce soit chez vous ou aux alentours. Et pour ceux qui travaillent, voilà, on est à quelques heures du week-end, on ne lâche rien. Alors, on va continuer notre semaine avec Albert Camus et je vais vous proposer une citation qui appelle à la réflexion et que j'ai trouvé assez sympa, à savoir, un exemple n'est pas forcément un exemple à suivre. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui nous est donné comme exemple? Qui nous donne l'exemple? Voilà, dans votre vie, vous avez des modèles, des exemples. Est-ce qu'ils viennent de vous? C'est vous qui avez choisi ces exemples? Ou ils vous ont été donnés par vos proches, par des courants de pensée? D'où proviennent-ils? Est-ce qu'ils sont de votre ressort ou non? Et finalement, est-ce qu'un exemple est un exemple à suivre? Avez-vous besoin d'exemples dans votre vie? Mine de rien, cette citation, elle est costaud. On ne dirait pas comme ça, mais elle est sacrément costaud, cette citation. Puisqu'elle invite une réflexion et elle dérange un petit peu nos valeurs, nos croyances, à savoir si on a un exemple, voilà, que l'on rêve de suivre, que l'on rêve d'imiter. Là, cette citation vient un petit peu bousculer ce qu'on pourrait penser. Avons-nous besoin d'exemples en fait? Voilà, c'est ma lecture à moi de la citation. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais c'est intéressant ça. Et est-ce que l'on peut être soi-même l'exemple d'une autre personne? Et à ce moment-là, est-ce que vous estimez que vous êtes un exemple à suivre? Je retourne le problème. C'est pas évident, hein? Donc voilà, je pense qu'il faut aussi peut-être porter un regard sur l'effet, comment je pourrais vous dire ça, l'effet, vous savez, un petit peu magique. Par exemple, je prends une idée qui serait relative aux adolescents, qui seraient par exemple complètement fascinés par une star du web qui aurait, je sais pas moi, 4 millions de followers sur Insta ou ailleurs. Pour autant, est-ce un exemple à suivre? Ah là là, c'est enquiquinant cette citation. Albert Camus, de toute manière, il savait mettre par de simples mots, il savait faire des petites pointes, hein. Des petites pointes, des petits pics quelque part. Puisque c'est vrai que d'origine, on se dit un exemple, forcément c'est un exemple à suivre. On me le montre en exemple ou je le prends en exemple. J'ai envie d'être comme lui, j'ai envie d'être comme elle, pardon, de lui ressembler. Mais est-ce que finalement, il ne vaut mieux pas être unique et se ressembler à soi-même? Voilà, aujourd'hui je vous aurais posé beaucoup beaucoup de questions pour vous amener à une réflexion, si vous le souhaitez évidemment, il n'y a rien qui vous oblige, je ne suis pas un exemple à suivre. Donc vous me direz si ça vous a amené des questions, des réponses, voilà, si le cœur vous en dit. Et puis je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, bon courage aux travailleurs. Et à ceux, voilà, qui ont des tâches à mener. Bonne journée de vacances pour ceux qui le peuvent.
excellent week-end à tous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau thème, une nouvelle semaine. Si vous avez des thèmes dont vous auriez envie que je développe, n'hésitez pas à me le dire non plus. Partagez ma vidéo, partagez mes comptes et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!